salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour nos vidéos, une nouvelle série sur la chaîne, en parlant de NBA avec Antoine. Salut à tous. Voilà, on va dire que tu connais très très bien la NBA. Ouais, oui, ça va, je C'est son suis amour. plutôt très bien. Ouais, c'est mon bébé. C'est son bébé. Donc, cette série, en attendant la reprise de la saison, qui va être très très longue, hein, de 82 matchs, on va analyser les équipes de l'Est comme de l'Ouest, chacun à leur tour, une équipe par épisode. On va résumer leur année passée, leurs 5 de prévisions qu'ils ont eues cette saison, les statistiques évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, les trades qui s'est passé jusqu'à l'heure où on enregistre la vidéo, et bien sûr on finira par notre prévision et notre 5 qu'on verrait débuter la saison 2017-2018. Et pour ce premier épisode, on va commencer par une équipe de l'Est, tout simplement, une équipe avec un. Une équipe assez bien connue, mais qui fait des saisons assez merdiques. En perdition. Voilà, les Knicks de New York. Donc, on va résumer un peu la saison 2016-2017. Une saison pas terrible du tout, hein. Ils ont tourné, enfin l'équipe, je parle en général, a marqué environ 104 points par match. Ce qui est bien, mais c'est pas énorme. Que 21 de. Bon, on va arrondir à 22 passes décisives par match. C'est pas des passeurs dans l'effectif qu'ils avaient. Et un ratio final de la saison régulière à 31-51. Ils ont donc fini 12e de la conférence Est et n'ont pas eu les playoffs. Ben oui, c'est une saison assez bizarre parce que la moitié de saison ils étaient en 21-21, donc ils étaient en positif. Et là, il y a eu un mini chamboulement parce que Kristaps Porzingis s'est blessé et du coup Ouais. ça a un petit peu cassé la dynamique qu'elle ils étaient. Est-ce qu'ils étaient en playoff, on peut le rappeler quand même. Ils étaient, il me semble, septième à la moitié de la saison. Et après, ben là, c'est une catastrophe. Il termine 13e ou 12e, 12e. 12e, oui, voilà. Il termine 12e de la conférence Est, qui est assez décevant parce que bon, ils ont quand même recruté Derrick Rose et Joakim Noah avec un énorme contrat. On parlait du contrat énorme de Joakim Noah, 17 millions d'euros. Ils ont tout fait pour le faire venir, hein. Tout simplement, ils ont tout fait, hein. Ouais, c'est Ils ont fait ça, un mais. package d'Eric Rose et Noah pour le faire venir. Et malheureusement, ce que tu n'as pas dit, c'est que Noah, lui aussi, s'est pris une blessure. Ah. Voilà. Ah oui, c'est assez. Il a joué. Alors, attends, j'ai les stats devant les yeux, donc je vais vous dire. Tout ça, notre ami 46 matchs. voilà, 46 matchs sur 82. Il s'est tapé une blessure et après, donc, on s'est tapé du Hernan Gomez, de Willy Hernan Gomez, à la place. Et c'est pas Du ouf. Noah. Ouais, mais Noah, il n'avait pas fait non plus. Enfin, quand il jouait, il tournait à 5 points par match, 5 rebonds. Et bon, après deux passes 5-5-2, bon, bah, c'est pas énorme du tout, hein. Alors qu'on sait qu'il y avait 3 ans, 3-4 ans avant, il était quand même le joueur élu Le meilleur le défenseur meilleur de la ligue, le ouais. défenseur de l'année. Oui, c'est assez décevant de sa part, sachant quand même, enfin, quelle erreur de New York à avoir pris son contrat à 17 millions d'euros sur 4 ans. Tu vois, encore 2 ans, tu fais 1+1 au pire. Mais là, t'as fait sur 4 ans, c'est On va complètement expliquer le bête. système de 1 plus 1 pour ceux qui ne connaissent pas du tout la NBA. Système de 1 plus 1, c'est très très simple. En fait, par exemple, on imagine le cas de Noah, donc 17 millions pour 2 ans. Ce qu'ils auraient pu faire, tout simplement, c'est de faire une signature, ça aurait été peut-être énorme, 17 millions pour 1 an, plus une année joueur ou équipe. Ce qui veut dire que si c'est une année équipe, c'est l'équipe qui choisit si elle active l'année ou pas, donc si l'année de plus à jouer dans l'équipe, ou si elle le laisse partir en agent libre, et donc à ce moment-là, le contrat, il ne touchera pas 17 millions pour l'année suivante. Après, là, l'option joueur, c'est le joueur qui choisit s'il veut continuer avec l'équipe ou s'il veut tester les agents libres, pourquoi pas, à rafler le pactole. Voilà, donc ça c'est le système un peu d'options pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le business dans la NBA. Oui, et Carmelo Anthony, il faut en parler aussi, hein. Dit Carmelo Carmelo qui Anthony, est parce le que Westbrook, hein, des Knicks, hein, c'est clairement. ouais, enfin, En le fait, c'est le joueur Westbrook, qui a le plus joué dans la saison, donc voilà. lui, si, en plus c'est exactement c'est un très bon parallèle parce que il bouffe aussi le ballon, hein. Il Ah oui. bouffe bien le ballon. Il tourne à 22 points par match,
qui est plutôt très bien quand même, hein. Et puis plus 5 ou 6 rebonds par match, plus 2-3 passes. Ouais, Bon, c'est il tourne correct. environ, je vais montrer, il tourne à 34 minutes environ par match, 22 points, il tape quelques interceptions, 3 passes décisives. Bon, Carmelo, c'est pas le meilleur passeur, mais c'est non plus pas le meilleur défenseur, malheureusement. De toute façon, c'est pas son rôle non plus. C'est le souci de cette équipe, clairement, c'est la défense. Le cas de Derrick Rose, on sait que c'est pas un défenseur. Tu mets Derrick Rose, Anthony, deux mecs non défensifs. Tu sais que ça va très très mal se passer, que tu vas évidemment encaisser beaucoup dans la gueule. Je trouve ça vraiment dommage pour que Anthony, voilà, tu vois qu'il croque. Que 43% au tir, c'est pas dégueu, mais pour un top joueur d'une franchise, on attend mieux. On attend mieux, quoi. Ouais, non, mais T'as un totalement. Porzingis qui a 45% au tir. Pourtant, c'est pas Après, le top player, hein. c'est oui, exact, mais c'est pas non plus. On peut pas, enfin, c'est pas le même poste, Oui, c'est pas le même mais poste, c'est sûr. c'est. Mais Porzingis, à son poste, il a moins de tentatives de shoot. Oui, non, mais oui, c'est pour ça, non, non. Ouais. Et Derrick Rose aussi. Derrick Rose, la saison passée, lui, bah, c'est une saison en demi-teinte, hein. Il tourne à 18 points par match. Entre petites blessures aussi. Lui, bah, comme chaque année, il a fait 64 matchs. Bon, il a loupé que 18. Que 18. Pour lui, c'est exceptionnel de jouer 64 matchs dans une année quand on sait toutes les blessures qu'il a eues après son titre de MVP. Hein, parce qu'il faut rappeler toujours que Derrick Rose a été MVP en 2011. Sa meilleure année. Et là, quand tu vois, bon, ok, 18 points par match, bon, c'est bien, ça va, c'est bien. Mais moi, ce qui me, enfin, je sais pas, ce qui me chagrine, c'est de voir qu'il est en qu'il fait que 4,4 passes par match. Alors c'est un pur créateur. Ben, normalement, c'est lui qui doit créer le jeu. Et bon, c'est pas normal. Tu dis que le meilleur passeur des Knicks la saison dernière, il a fait une demi-saison, c'est Brandon Jennings, avec 5 passes. Bon, c'est à peu près similaire que Derrick Rose, mais c'est même pas lui le meilleur passeur de l'équipe des Knicks. Alors que bon, on parle de Derrick Rose, hein, on parle pas. Un autre meneur tout pourri. On parle pas de Raymond Felton, on parle de Derrick Rose. Donc non, c'est une saison, pour résumer la saison d'Enix, c'est une saison assez avec des hauts et des Catastrophique. bas. Ouais, c'est Pour résumer les catastrophique, mots. mais des hauts et des bas. Parce que le départ, 20, faire du 21-21, c'est super, mais après, bon, sûr, ils n'ont pas été épargnés par les blessures, je suis d'accord. Mais on voyait le jeu. Le jeu d'Enix, c'est pas ça. Leur défense, elle est catastrophique. Bon, c'est sûr, quand t'as Carmelo avec toi, ça n'aide pas. Mais t'as quand même du bon monde aussi, hein. T'as du Joakim Noah. Bon, voilà, Avant c'est qu'il un très starte bon sa blessure. défenseur. Ouais, lui aussi. Porzingis défend. Lui défend Courtney Lee. On n'en a pas parlé, lui qui était dans le 5 majeur d'Enix aussi, hein. Arrière, qui tournait aussi à 10 points de moyenne. Bon, voilà, quoi. C'est un joueur assez banal. Même si, bon, c'est un bon défenseur, mais voilà, rien à dire de plus sur lui. Et je sais pas si tu as un autre joueur à qui, enfin, il faut que tu parles, mais. On verra comment va se compenser les Knicks pour cette année. Ben, aussi, il faut en parler aussi, parce que la saison dernière, c'est quand même assez choquant de voir ça. C'est que le deuxième 5 majeur d'Enix était largement au-dessus du premier 5 majeur. Donc, quand je parle du deuxième 5 majeur, c'est Ron Baker. Il y avait qui? Il y avait, ben, Willy Hernan Gomez, il y avait du Kylo Quinn, il y avait soit du Brandon Jennings la première partie de saison, ouais, il y avait lui, il y avait du Kuzminskas, c'est du. Et puis je crois c'était peut-être du Endur des fois, mais c'est quand même assez choquant de se dire quand même que le deuxième 5 majeur d'Enix était plus performant. Il gagnait souvent quand le deuxième 5 majeur était présent. Et c'est quand même pas normal parce À que ce moment-là, tu normalement. parles du 5 mineur, non? Oui, enfin, oui, le 5 Le mineur, oui, 5 c'est le mineur, 5 ouais. mineur, oui. Oui, c'est plutôt le Parce 5 que mineur, si les gens mais. ne comprennent pas, alors les 5 Mais mineurs, c'est c'est les vrai. 5 joueurs dans la rotation qui sont les remplaçants. Si on veut. Parce que Voilà. ça tourne beaucoup en NBA, hein, beaucoup de changements, beaucoup de temps mort. Mais oui, enfin, voilà, quoi. C'est assez bizarre quand t'entends ça, quoi. Alors, on a fini un peu de parler des stats équipe. On en a en plus parlé des stats joueurs plus importants de l'effectif qu'il y a eu la saison passée. Donc, ça m'arrange, au moins, c'est fait.
Maintenant, on va parler du 5 majeur pote qui était en preview, en prévision de la saison passée, toujours 2016-2017. Un 5 majeur qui faisait quand même, tu te dis, bordel avec ça, t'as moyen d'arracher des places en playoff. Tout à Tu avais fait. quand même Derrick Rose en meneur de jeu, c'est pas rien. Court Nelly, comme tu l'as dit, bon défenseur en arrière, peut-être pas le plus grand scoreur au monde, mais si on lui avait donné plus de ballons, il y aurait certainement marqué plus. C'est Avec 18 points par match. voilà, un petit Carmelo Anthony, ailier, bon, même si c'est pas meilleur défenseur, tu sais qu'avec lui, tu peux gagner des matchs qui sont impossibles à gagner. Un Porzingis en ailier fort qui est sorti d'une très très bonne saison en rookie, là, qui faisait sa première saison en professionnel, si on peut parler comme ça. Qui est vraiment excellent, hein. Après, l'histoire de Porzingis, c'est aussi étonnant. Le public qui lui crache dessus, et après avoir fait gagner l'équipe, il l'applaudit, il le suce, limite, c'est De assez toute façon, drôle. bah, c'est le public de New York, hein. New Ça, c'est York. un public assez chaud. Et Noah en pivot avec ce 5-là, déjà, ce 5 majeur. T'as du mal à les voir ne pas aller en playoff. Malheureusement, comme on a dit, Noah s'est pris une grosse blessure. Et Hernan Gomez, le rookie des Knicks, a dû le remplacer. Derrick Rose n'a pas joué tous les matchs. Il a été beaucoup aussi remplacé à cause des petites blessures qu'il s'est tapé. Porzingis en est pris une grosse. Et Courtney, il a, je crois, pas mal interchangé avec un autre arrière. Je crois Justin pas. Holliday. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, lui, il a fait 82 matchs. Il a fait Voilà, tous les matchs. il a participé à tous les matchs. Mais donc, maintenant, le plus important, il faut parler du PER. Alors, le PER, pour ceux qui ne connaissent pas, le PER, en gros, pour résumer, parce que c'est assez compliqué quand même à expliquer, le PER, en gros, c'est le rendu dans un match, par exemple. Prenons l'exemple de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, il a 18 de PER. 18 de PER, c'est à peu près, c'est moyen. C'est moyen, mais ça va. C'est pas nul, c'est ni bien, c'est moyen. En gros, c'est ce qu'il apporte en points par match, plus rebond, plus passe. Donc tu additionnes ça, sauf que tu soustrais les pertes de balles, les quoi aussi? Les fautes, peut-être? Oui, les fautes. Donc voilà, tu fais ça, t'ajoutes ça, en gros tu fais une addition et tout. Et en gros, donc ça te donne 18 de PER pour Carmelo. Donc c'est bof. Ensuite, on peut parler de Kristaps Porzingis qui a 17,5 de PER, c'est similaire à Carmelo. Moi je suis assez déçu quand je vois le PER de Porzingis, car normalement quand t'es pivot, ou enfin ailier fort pivot, tu dois être quand même à peu près dans les alentours de 20, 21 PER, normalement c'est les bases. Mais bon, ça passe encore pour Porzingis, sachant que c'est sa deuxième année, donc on va être assez indulgent. Et là, Hakim choque aussi, c'est Carmelo, c'est pardon, Joakim Noah, 15 de PER, là c'est très bof. Quand tu es en dessous de 15, quand tu es entre 0 et 15, c'est pas terrible du tout. Ça pue un peu, ça pue un peu. Court Nelly qui est dans le 5 majeur, il a 12 de PR, 12 de PR pour Court Nelly. Ouh là là, ça Voilà, donc on fait. peut résumer un peu l'équipe que ils ont un PER désastreux et que Ouais. il fallait on s'attendait à beaucoup plus évidemment. Derrick Rose, je n'en parle même pas parce que lui doit un PER dégueulasse. Pas tant que ça, mais bon, il a 17 de PR, mais bon, c'est bof quoi, c'est pas non plus énorme, hein. 17 de PR, ça. Non, non, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Cette intervention du PER. On va passer au trade, parce que maintenant ça va être la partie vraiment intéressante de la prévision de l'année 2017-2018. On va revenir un peu sur les trades qui se sont passés pour l'équipe de New York. Donc d'abord un peu plus en interne. En juin, donc le 28 juin 2017, ils ont viré le président Phil Jackson, qui était remplacé par Steve Mills, qui était le Enfin. general manager. Oui, enfin, bon. C'est vrai qu'il a fait de très très mauvaises saisons en tant que président technique. Ça, je ne dis pas le contraire. Ensuite, on va rester un peu dans l'interne, hein, de tout ça. Scott Perry a été nommé general manager pour remplacer Steve Mills, qui était passé, dire, président.
tout simplement. Après, t'as plein de personnes, hein. Gérald McKee qui est passé assistant général manager, Robinson qui est passé vice-président, voilà, t'as plein de personnes qui sont venues pour le staff. Ça, on va pas trop en parler, on va parler surtout des trades des joueurs. Donc tout d'abord, ils ont relâché Maurice N'Dour, qui était un ailier fort, je crois. Ah ouais, Ouais, un ailier ailier fort, fort. pivot, mais plus ailier fort. Qui serait sûrement une option équipe, s'ils l'ont relâché. Je crois. Je ne suis pas du tout sûr. Hein. Je n'ai pas souvent regardé New York jouer cette saison. Et d'autres matchs qui m'intéressaient. Sinon, en termes de recrues, donc ils ont recruté Franck. Alors, le nom va être très très dur, compliqué. Alors, Nick Nigna. J'ai du mal. Franck Alors, Ntilikina, ouais. merci beaucoup. Qui est donc belge, qui joue à Strasbourg la saison passée. Qui a été chopé 8e tour de draft par les New York Knicks. Donc déjà, niveau statistique, c'est le français le mieux drafté de tous les temps, je crois. Enfin, le français. Ouais, Il est lui. belge, mais oui, on peut dire que c'est le Oh, petit si, il est frenier. français. Si, il est français. Hein. Il est français. Parce que la cité est belge aussi, donc voilà, moi je sais Ouais, pas. Ouais, enfin. voilà. Si, c'est un français, c'est un français. C'est un français. Strasbourg qui a fait une belle saison, hein. Il avait fait une belle saison, il tournait, je crois, 20 points. 20 points par match environ. Ouais. Il a fait une belle saison. Sinon, ils ont recruté dans le même mois Tim Hardaway Junior. Ils l'ont refait venir 2 ans après pour 4 ans. Alors là, ça a fait péter les culs parce qu'il était en agent libre restreint. Parce que Atlanta pouvait toujours s'aligner sur l'offre de New York. Ils sont pas alignés, ils ont eu raison. Hein. Ils ont eu raison pour l'économie. 71 millions sur 4 ans. Ce qui fait à peu près 17 millions l'année, je crois, environ. Ouais. Ce qui est extrêmement cher, il a que 25 ans. Il faut rappeler, sachant que, comme tu l'as dit, 2 ans avant, il l'avait drafté. Et ouais. En 2 ans gros, avant, il tu. était à New York. Voilà, en gros, ils ont. Ok, tiens, on vous donne Tim Hardaway qu'on vient de drafter. Et hop, 2 ans après, on vous rachète. Hop, on lui fait un contrat de 70 millions Et pourtant, sur quand tu 4 ans. regardes les statistiques du petit Tim Hardaway à Atlanta, c'est pas ouf. C'est Non, c'est pas ouf clairement du tout. pas ouf. C'est un Parce bon que joueur, hein. Il a dû devenir, mais c'est pas ouf. ouais, c'est pas ouf. Il a fait quoi? Les saisons de... à peu près. Il a joué 79 matchs. Il tournait à peu près aux 20, 27 minutes. 40, 45,5% au tir. C'est pas ouf. Clairement. On attend beaucoup plus d'un joueur qui était quand même drafté, bon, comme on l'avait dit il y a 2 ans. Et qui était quand même censé avoir. Alors du talent, finalement, ce n'est pas le cas du petit Tim Hardaway. La saison passée, je vais pas parler niveau points, tout ça, 11 points par match 11 points, environ, 70 millions sur 4 ans. 2 rebonds par match. Il a du 35% en tir à 3 points. Franchement, moi j'aurais pas du tout fait ce choix. Hein. Et il est même pas à 2 assists, alors que c'est pourtant un joueur qui évolue au poste d'arrière. C'est peut-être pas le poste où tu fais le plus de passes, mais on a l'exemple de Don Wade qui est arrière, c'est pas mal aussi. Ouais, ben, en gros, tu vois, je suis pas contre prendre Tim Hardaway, mais pas un contrat de 70 millions pour 4 ans. Genre, tu peux lui faire un contrat, je sais pas, un contrat, allez, franchement, max Clairement. 35-40 millions, 40 max, mais Ouais. max, parce que c'est totalement con ce qu'ils ont fait de leur prendre alors qu'ils l'avaient drafté il y a Tu 2 ans. prends 10 millions Mais la là, saison, c'est possible. et voilà, 10 millions, bah, de toute façon, avec les tarifs maintenant de NBA, bon, c'est voilà, hein, c'est normal. Hein, hein, quand tu. Juste un exemple, Evan Turner, un joueur. Très 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 moyen, ben, il a 18 millions la saison. Voilà. Juste les tarifs, hein, de la NBA Donc j'ai pas actuelle. parlé du contrat de notre français, parce qu'il a signé un contrat, j'ai trouvé ça. Donc 18 millions sur 4 ans pour un rookie. Il touchera la première saison 3 Ouais. millions. Pour un rookie dans le top 10, c'est très correct. Et donc il a un contrat donc 2 plus 2. Donc 2 années sûres, comme tous les rookies en fait. Et donc 2 années équipe, en plus si l'équipe trouve que le joueur est excellent et qu'il mise sur son potentiel. Après voilà, c'est un rookie, c'est les prix. C'est les prix du marché, donc on peut pas Bah, le interdire. plus important, c'est de dire que c'est quand même un petit Frenchie qui est dans la Big Apple. C'est quand même, ça fait peut-être, j'espère que pour lui, il va avoir les épaules pour,
Mais bon, avec la pression du public, parce que là-bas, le public il est quand même chaud. Hein. Bon, Ah, j'ai le une public du habitude Madison maintenant. Square Hein. Garden, il est très très chaud. Mais c'est vrai que, ouais, de toute façon, bon, faut le dire aussi, le choix d'Elix, pour moi, c'est pas un bon choix. Après, je sais pas pour toi. Pour toi, est-ce que c'est un bon choix ou pas, le choix de Frank Ntilikina? Alors que Après, tu c'est avais. les Knicks qui l'ont drafté, donc on peut Oui, rien non, mais dire de toute sur son façon. choix. Mais Bah, quand première tu vois équipe que New t'as. York, c'est peut être intéressant, surtout que là, le président l'a clairement dit, je suis en reconstruction. Donc Oui. il va construire une équipe un peu autour de lui et autour des jeunes joueurs. Donc cette année-là, je sens pas du tout, je sens qu'ils vont pas faire une bonne saison. Ils vont Non, mais essayer de ça, bah, limiter la ça. casse, mais Mais franchement, quand tu vois juste un tour après, tu avais du Dennis Smith Jr. qui a été transféré à Dallas. Donc, bon, enfin, pour moi, il y a quand même. Je suis content, moi, je suis très heureux qu'il ait signé à New York. Hein. Mais si je suis le GM d'Enix, je me dis, bon, bah, je préfère un Dennis Smith qu'un Frank Ntilikina. Bon, après, à voir, hein, mais j'espère qu'il fera du lourd là-bas. Mais on en reparlera peut-être, mais. Je pense certainement que Dennis Smith aura largement des meilleurs stats que Frank Ntilikina. Sinon, comme autre trade de New York, on a l'arrivée de Damian Dotson. Il a été drafté, donc un nouveau choix des Knicks. Hein. Au deuxième tour, le 44e choix, donc un contrat de 3 ans. Je pense qu'il aura un petit salaire, hein, un petit salaire d'un peut-être grand max d'un petit million par saison. Ensuite, ils ont re-signé Ron Baker. Alors là, c'est le contrat un peu poison, si on veut. 8 millions 9 sur 2 ans, donc il tape à peu près. Du 4,5 millions la saison, c'est énorme. Surtout qu'il a testé les agents libres, Ron Baker, aucun succès. Et donc un contrat 2 ans plus 2 options joueurs. Donc 2 ans fixes. Et donc 2 années en plus s'il accepte de re-signer à nouveau du côté des Knicks. Bah, ouais. Puis bon, enfin, Ron Baker faisait partie du 5 millions qui a plutôt bien marché avec les Knicks, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que 4 millions pour un joueur assez moyen, même pire que moyen. Hein. Donc, ouais, c'est. Non, c'est surpayé. Bah, c'est les Knicks, quoi, tout simplement. Ils savent pas gérer leur argent. Quand tu vois déjà Tim Hardaway, 70 millions, et puis hop, tu rajoutes du Ron Baker. Plus, on n'en a pas parlé du contrat aussi poison qu'ils ont. Il n'y a pas que ces deux-là. Hein. Courtnelly. Hein, Courtney, c'est du 12 millions, 11 ou 12 millions d'euros la saison. Moi, je trouve ça aussi surpayé. Hein. Certes, Courtney, c'est un très bon défenseur, il n'y a rien à redire. Mais 12 millions d'euros la saison pour lui, bon, moi, je trouve ça cher quand même. Après, chacun a ses avis. Après, c'est New York qui sont un peu blindés, tu sais. C'est le genre de Ouais. président qui dit: moi, je veux le résultat, mais on bat les couilles de l'argent que je donne. C'est C'est sûr, un peu ça. mais bon. C'est ouais. Alors, on va finir avec les 4 derniers trades qu'ils ont eu actuellement. Là, j'enregistre, on est le 10 août. Donc, s'il y a un trade, par exemple, Carmelo qui part le 11, bah tant pis, hein, voilà. On en parlera certainement en commentaire ou je mettrai une notation. On verra. Donc, Ramon Sessions, qui a. Sessions, je crois que c'est comme ça. Qui a rejoint les Knicks en agent libre, agent libre. Pour 2,3 millions, la saison, il restera qu'un an. Et aussi, on a Michael Beasley, La blague. la blague, salaire minimum aussi, 2,1 millions, l'année qui restera qu'un an. Le président a clairement dit, c'est ces deux choix, enfin ces deux trades pour aider les jeunes. En gros, de mentor. Ouais. Bah, c'est pas avec Michael, c'est qui va aider les jeunes. Parce que Michael Session, je crois Beasley. qu'il y a bien les trentaines et Beasley, il a 28, donc 27-28. Ouais. Bah, et encore Roman Session, bon, backup de Frank Non, Ntilikina. c'est sûr, moi je l'aime beaucoup comme joueur. Ça va. Bon, Non, c'est bien, c'est il a bien. changé 8 fois d'équipe en 10 ans, mais bon, Ouais, c'est oh. vrai. Mais bon, c'est. Voilà. Mais Michael Beasley, bon. Quand il est revenu de Chine pour jouer à Houston, c'était. Voilà, quoi. C'était. Bon, ça passait, ça. Voilà. Mais là, bon, il était au Bucks. Quand Au tu Buck, regardes si je l'ai pas ce vu, qu'il hein. a fait. J'ai Non, pas non, vu. mais moi, quand je l'ai joué en playoff, c'est une catastrophe. Il prenait. Il bouffait. Quand il avait juste la balle, il shootait. Il regardait pas. Il shootait. Et en plus, c'était dégueulasse. Et ce pourcentage au tir. Enfin, bref. On va pas passer. 15 millions sur lui, mais c'est pas. Voilà quoi. Enfin, je trouve que c'est pas la meilleure affaire ce qu'ils ont fait. Pour prendre Michael Bissé, ils auraient pu prendre un autre joueur tout aussi meilleur. Enfin, même largement meilleur que lui. Et les deux derniers trades, un peu, c'était juste pour combler un peu l'effectif. Donc Ouais. d'abord, Ogdien Jaramaz, 58e choix du deuxième tour. Et un joueur qui n'était pas drafté, mais qu'ils ont pris,
Luke Kornet, je pense que ces joueurs vont faire la G-League, clairement. Parce que bah, en NBA maintenant, je crois que tu as 15 places et donc 2 places où tu peux les envoyer en G-League. Ouais, si, t'as C'est le droit ça à la... deux joueurs, ouais, Voilà, c'est c'est ça la ça. règle. En gros, la G-League, c'est une ligue où tu peux t'améliorer, où c'est vraiment les joueurs Ouais, c'est des... que tu ne Ouais. veux pas et que, enfin, que tu veux pas. Évidemment, tu veux toujours des joueurs, mais c'est pour les améliorer. Et par contre, il faut qu'ils fassent un nombre de matchs restreint à New York. Ou en G-League, je ne Ouais, sais plus et combien, mais... aussi, faut rappeler que la... Enfin, parce qu'ils se disent, c'est quoi, ça, la G-League? Mais avant encore, je pense qu'il y en a qui connaissaient. Avant, on l'appelait la D-League. La D-League, Voilà, oui, ils ont c'était... juste changé de nom, Voilà. après... Ouais, voilà. Mais voilà, c'est pour ça que... S'il y en a, ils se disent, c'est quoi, de ça? Mais non, c'était la D-League. Avant de passer aux prévisions, en général, les trades, tu trouves qu'ils ont fait de bons trades ou qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux? Ah ben là, alors ils ont Là, fait je des sais, je très connais ta très réponse, mauvais je sais trades. que tu aurais pu faire beaucoup mieux. Ouais. Bah oui, bah carrément. Quand tu vois le marché, il y avait largement mieux à faire. Puis bon, on en a déjà parlé 15 000 fois, Tiamat. Ouais, mais quelle erreur encore une nouvelle fois de le reprendre. Enfin bref. Et bon, tu prends du Session, c'est bien. Du Bisley, bon bah voilà quoi, c'est juste pour. Non, c'est nul, c'est nul. Et bon, tu prends du fond par contre, bon, ça va, Franklin Knob, bon, pour moi, c'est un mauvais choix, mais bon, après, voilà, c'est un rookie. Non, non, c'est. Bon, on va dire que c'est. Ça va, c'est passable. Mais non, c'est une mauvaise intersaison, encore une nouvelle fois. Parce que, bon, l'année dernière, on se disait, ah ouais, c'est peut-être une bonne intersaison. On l'a bien vu au résultat, hein, 31-51, bon. Non, non, c'est. Pour moi, c'est une très, très mauvaise intersaison, l'une des pires, hein, de la NBA, là. Derrick Rose au passage, hein, parce que vous dites, oui, vous passez Derrick Rose, Ah oui, il est c'est vrai, parti, c'est vrai. parce qu'il était en agent libre, hein, parce qu'il a fait sa saison à New York, il est parti au salaire minimum à Cleveland. Voilà. Tout à fait. Pour certainement, ça c'est quasiment sûr, combler le départ de potentiel de Irving. Et on peut rappeler juste son contrat, hein, qui auquel 2 millions, je sais 2 pas, c'est la millions, alors redraw. qu'à un moment donné, il était coté à 15 millions, Ouais, il a non tenté les mais... agents libres pour avoir un maximum d'argent, et le mec, il, comme personne le veut, personne l'appelle, il est obligé de faire le salaire minimum. Ben, en fait, C'est c'est pas bien personne dommage. que le veut, c'est surtout personne veut son contrat, hein, parce que lui il C'est beaucoup demandait, trop, je il crois, pense non, que c'est attends, beaucoup trop cher, évidemment. c'est même pire que 15. Lui il voulait 20 millions d'euros la saison. Il voulait 20 millions et ben, d'où tu mets 20 millions. Enfin, je sais que avec les tarifs maintenant, c'est ça va, mais non, non, c'est 20 millions d'euros la saison pour Derrick Rose. Alors tu sais très bien qu'il se blesse, et c'est un joueur très moyen maintenant. Ça fait bizarre de dire que c'est un joueur moyen alors que tu dis qu'il a été MVP il y a 4, enfin, il y a 6 ans. Mais ouais. Ouais. C'est terrible pour lui. Et on va parler, alors ça c'est la grosse news hein, qui sort, on ne sait toujours pas la fin du feuilleton. Allez. Alors, ça serait quasiment sûr, le départ de Carmelo Anthony vers les Rockets. De toute façon, Anthony il a clairement dit, je fais sauter ma clause d'intransférabilité, voilà, pour se faire transférer, t'as compris, pour aller aux Rockets et nulle part autre. Donc, si il y a un trade au niveau des Rockets, qui est ton équipe cœur au passage. Contre qui l'échange? Ouais. Parce qu'il faut faire un trade, donc il faut Ah mettre ben un moi je suis package. sûr. Moi je vois le bon petit package à 3 ou à 4, mais plus à 3. Et tu verrais Donc qui, finalement? alors, donc t'as Carmelo qui va à Houston. Oui. Donc attends, je vais dire déjà les 3 équipes. Donc t'as Houston, New York, Portland Ah, tu ou fais un trade Phoenix, une des deux. à 3. Ouais, trade à 3. Donc en gros, tu mets Houston, il donne Ryan Anderson à Phoenix. Ou à Portland, on va dire, vas-y, je vais mettre Portland. Tu donnes Ryan Anderson à Portland. Ensuite, à Portland donne Mo Harkless et Meyers Leonard à Onyx. Et Carmelo vient à Houston. Et ouais, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Enfin, tout le monde est content. Oui et Quand non. même Parce que... quelqu'un qui sont douillés, hein. oui, y a Onyx, ils sont doués. Mais en fait, c'est simple. C'est soit... ils font ça, certes. Bon, ils récupèrent quand même du Harkless. Bon, ça passe. Ça remplace pas Carmelo, c'est sûr. Mais bon, tu prends quand même du Leonard ou peut-être du Turner. Il y aura peut-être un Evan Turner qui donnera avec leur contrat poison. Mais voilà, ils donnent soit Turner, Harkless, etc. Donc dis donc, est-ce que Onyx. tu... Parce que Anthony, quand même, je te rappelle, c'est... son contrat, c'est quand même du 26 millions. Hein. Ils peuvent, en Houston, ils peuvent aspirer les 26 Ouais. millions? Ah ouais, parce que Ryan Anderson, son contrat, je crois que c'est un contrat. Attends.
Contrat, je crois, à 20 millions, 20, 19-20 millions à saison, mais plus je crois qu'il donnerait peut-être un autre joueur, mais genre un, je crois que ça attends, c'est quand je réfléchis, c'est un. Il donnerait genre la vie, ils ont pris des joueurs, genre les. Comment ça s'appelle, merde. Des vieux joueurs, Luke Kennard, des petits joueurs. Enfin, non, non, ça c'est un rookie. Je sais plus comment ils s'appellent déjà les joueurs. Enfin, c'est des joueurs, tu sais, genre tu les prends pour les échanger, genre 2 heures après, quoi. Donc. Parce que les Rockets, quand même, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Déjà avec le trade Ah de oui, il y a eu Chris CP3. Paul. Ouais. Déjà avec ce trade où ils ont déjà perdu 3 joueurs. Sinon, j'ai vu, mais ça c'est impossible parce que, bon, je serais très déçu en tant que fan des Rockets et puis, enfin, je sais très bien qu'il fera pas jamais ça, Daryl Morey, le GM des Rockets. Beaucoup de gens disaient, Ryan Anderson plus Trevor Ariza. Alors, ok, ils sont bien gentils, mais Trevor Ariza, c'est peut-être l'un des piliers aussi de Houston. Donc, je crois pas que Trevor Ariza partirait. Sachant que Trevor Ariza, ils sont amis hein, avec Chris Paul et Harden, donc non 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 c'est impossible et non bah, c'est soit en fait il y a que Ryan Anderson qui peuvent donner hein, plus les deux trois joueurs Pour que aspirer l'argent, ouais. mais ouais, ce sera de toute façon c'est sûr c'est un trade à trois ça c'est sûr et certain il y aura un trade à trois ou à quatre ce sera pas un échange genre que je sais pas un joueur de d'Enix enfin genre Carmelo contre Ryan Anderson, ça c'est sûr. Mais ouais. Après, peut-être qu'il peut rester à Onyx, hein. Aussi, Mais bah si, s'il n'y a pas de tout simplement, s'il n'y a pas de négociation avec les Rockets, il restera à New York. Jusqu'à la ouais. fin de son contrat, et le souci, parce que New York veut s'en séparer, le souci pour New York, c'est que s'il part en agent libre, ils vont faire baiser, parce qu'il partira sans rien. Ils n'ont rien en échange. Ouais, Les bon. équipes NBA sont toujours ce genre de coup, c'est avant la dernière année, ou c'est l'année en plus, ils l'échangent, comme ça ils ont quelque chose en plus, au lieu de le perdre pour rien, quoi. C'est un peu le cas. Ouais, enfin, non, non, je pense que franchement, là, on est le 10 août, je pense que, allez, dans 1 ou 2 semaines max, il sera à Houston, c'est sûr, je pense que Et franchement, c'est puis s'il acté n'est pour pas lui. tout de suite à Houston, on rappelle qu'ils ont jusqu'en février, je crois, c'est là où il y a la fin de Ouais, la ah, fameuse oui. limite de trade. Ah ouais. Non, mais, non, non, mais c'est acté, tu peux pas garder Carmelo dans ton effectif, sachant que tu sais très bien qu'il fera certainement la gueule à l'entraînement ou. Il sera pas chaud pour jouer, quoi. Non, non, en plus, il a 33 ans, quoi, Carmelo. C'est pas comme si qu'il avait 25, 26, quoi. Il a 33 ans, à un moment donné, il veut gagner un titre, quoi, lui. Donc, non, non. C'est direction Houston, point à point. Donc, on a fini avec les trades, maintenant on va passer à notre prévision. Donc, on va commencer par notre 5. Je vais te laisser commencer faire ton 5. Vas-y. Oh. Vas-y. Donc mon sixième homme, ce sera. Je commence par le sixième homme. Ok. Donc, sixième homme, ce sera pour moi Courtney Lee. Donc, on rappelle qu'il était starter l'année dernière, mais avec l'arrivée de Tim Hardaway, bon, je vais en reparler après, mais enfin bref. Donc Courtney Lee, sixième homme. Donc meneur de jeu. J'espère qu'ils feront ça, même si je pense les 5 ou 10 premiers matchs, ils vont mettre Sessions en starter pour genre en gros. Tiens, voilà comment on fait tout pour ça, pour un peu acclimater Frank Ntilikina. Et après ça, et après ça, il sera starter, je pense. Après ça, je vois ça comme ça. Donc, sinon, bon, on peut mettre direct Frank Ntilikina starter. Ensuite, en arrière, il y aura Tim Hardaway Junior, c'est sûr. Parce que tu vas pas mettre Courtney Lee arrière. C'est pour ça que je mets en sixième un petit Courtney Lee. Quand tu lui fais un contrat à 70 millions de dollars sur 4 ans. T'es obligé de le mettre starter, puis bon, c'est quand même Tim Hardaway. Bon, voilà, c'est quand même, voilà, c'est un joueur quand même plutôt bon, on va dire. Donc, voilà, non. Donc carrière, c'est sûr. En ailier, bon, pour moi, je mets pas Carmelo, hein. Je sais pas si tu mettras, mais pour moi, je mets pas Moi, Carmelo. j'ai pas mis Carmelo. Pour moi, Carmelo, je suis resté dans l'optique de il part de New York. Ah, voilà, donc il part, hop, voilà. Donc, ailier, c'est ça le souci. Pour moi, c'est là que je me Ils disais ont que beaucoup de joueurs en ailier. c'est pour ça que bon. Après, vu sa saison, moi je l'ai adoré, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il était dans le 5 mineur, mais je l'ai tout à fait bien aimé. C'est tout simplement Mindaugas Kuzminskas, hein, je trouve très bon. Certes, c'est pas quand tu es à New York et tu dis ton ailier, c'est Kuzminskas, ça fait pas rêver, mais vu l'effectif qu'ils ont, pour moi, c'est l'ailier que tu mets. Hein. Je vois pas qui.
À part, ouais, non, Michael Beasley, non, 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 tu, non, non, pas Michael Beasley, en plus, enfin, c'est un ailier fort, on va dire. Donc, non, non, ce sera Kuzminskas en ailier pour moi. Ensuite, en ailier fort, alors, Pas vraiment de ailier choix, hein. fort, il n'y a pas énormément de choix, enfin, énormément de choix, t'es obligé, simplement, c'est du Kristaps Porzingis, là. En fait, il n'y a pas vraiment de concurrence en ailier fort, quoi. Ouais, Dans bah, de toute façon, l'effectif. c'est le futur, c'est le franchise player maintenant d'Enix, hein, parce que bon, avant c'était Carmelo, mais J'en bon, parlerai Carmelo. après, mais ouais, clairement. Donc, c'est le franchise player donc, de la team d'Enix. C'est le futur avec Frank Ntilikina, de toute façon, d'Enix, c'est la reconstruction, Oui, c'est donc. la reconstruction, donc ils vont se baser sur des jeunes. Ils vont Ah ouais. construire autour. Ah, mais tout à fait, donc, ouais, non. Ailier fort, donc, pour Porzingis, et pour finir, le pivot de cette équipe. Sachant que pour moi, je mets pas Joakim Noah. Sachant que Joakim Noah, faut le rappeler, ça, les 20 premiers matchs, il est suspendu. Je sais pas si tu savais, mais les 20 premiers matchs, il ne jouera pas. Je crois qu'il a eu un, je crois que c'était, attends, il avait eu un problème avec l'alimentation. Je crois qu'il avait, je sais pas, un truc produit dopant, je sais pas quoi. Enfin, il a eu un souci, il a été suspendu. Donc 20 matchs, les 20 premiers matchs de la saison régulière là, Ça fait qui va mal, hein. arriver, Putain, 20 matchs d'un coup, bim! eh ben, il jouera pas. Du coup, ce sera du Kylo Quinn, je pense, en pivot. Kylo Quinn, bon, ça va, c'est quand même, voilà, c'est passable. Donc voilà, donc en gros, je récapitule, Ntilikina en meneur, ensuite Tim Hardaway, Kuzminskas, Porzingis et Kylo Quinn, et sixième homme, bien sûr, Courtney. Voilà, et coach Jarvonacek, bien sûr. Alors mon tour. Alors notre 5 se ressemble un peu. Alors en sixième homme, j'ai décidé de mettre Session. Ramon. Ah ouais. On va dire si on prend un septième homme, ça serait Courtney en septième homme. Courtney, bon, je suis pas le plus grand fan de ce joueur, mais en tant que sixième homme, en même session, je pense que ça peut bien faire la transition pour aider un peu Franck. On va l'appeler comme ça, pour aider Franck. Ouais, Et Franck. dans les temps morts, pour lui dire un peu ce qu'il faut faire, comment voilà, pour l'aider à passer un niveau et pour faire une bonne saison de rookie, tout simplement. Alors en meneur, Franky, hein, t'es en reconstruction, donc autant faire jouer les rookies en plus 8e choix, donc autant en profiter si ça peut être un putain Bah oui. de potentiel. Moi je fonce direct. Alors arrière, Tim Hardaway, hein, quand t'as un contrat à Obligé là. 17 millions la saison, c'est pas pour le faire remplir les bouteilles. Autant l'utiliser, c'est un peu l'enfant de l'équipe, hein, enfin si on veut l'enfant. La première équipe, ça a quand même été New York, donc il retourne à la maison, il aura certainement peut-être une belle pop avec le public, ou peut-être pas du tout. Autant le faire jouer, voir l'évolution qu'il a eue. Parce qu'il a quand même lâché sa meilleure saison, c'était la saison 2016-2017. J'ai revu les stats à 15 points par match environ, donc c'est pas dégueulasse. Après, il peut faire 2 points comme 20. Alors, ailier, alors, comme tu l'as dit, c'est pas un ailier pur, mais j'ai décidé de le mettre en ailier, ce serait Beasley. Je sais, Ouh, oh là 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 ça fait pas rêver. Ça fait extrêmement pas là. rêver. Oh. Je ne sais pas si pour moi il resterait longtemps dans le 5. En tout cas, je pense qu'il sautera assez vite. En fonction aussi, par exemple, si Carmelo, ben, il est trade aux Rockets. Et que les Ah ouais. Rockets, s'ils balancent un ailier, je ne sais pas, un ailier qui est meilleur et qui, je sais pas, quelqu'un qui peut jouer un poste d'ailier, ben, il sera certainement remplacé. Alors Non, là, mais je pense, non, il va mais y avoir c'est sûr. la C'est foudre de tout sûr. le monde là. Quoi, tu l'as mis en ailier? Je vais te tuer. Toute la foudre. Ben, franchement, c'est vrai que ça c'était chaud de mettre Beasley en ailier, mais pourquoi pas après? Non, mais de Après, toute façon, quand c'est un tu vois coup le de roster poker, hein. d'Enix, Peut-être qu'il t'es. peut être très très bon en ailier, hein. Peut-être. Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, l'ailier il va être remplacé. Donc, on va dire, c'est soit Carmelo, ok, il sera peut-être là, on sait jamais, mais j'y crois pas. Donc, c'est soit Carmelo, il y aura soit du Mo Harkless qui va certainement arriver, ou du Anderson, du Ryan Anderson, enfin, voilà quoi, je sais pas, mais c'est sûr, il y aura un autre ailier, ça c'est sûr et certain. Donc Parce qu'au pire, ils ont ce Lance sera Thomas, hein, en ailier. ouais, mais non, 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 Ouais, non, mais non, non. non, faut Non, pas, non, non. Ouais, mais non, non. Alors, on non. continue. Ailier fort. Je pense que, franchement, en ailier fort, ouais, Porzingis, y a pas de souci, c'est Porzingis direct. Un joueur que j'aime beaucoup. Surtout le poster qu'il avait fait à Howard cette saison. Et Ah le bof. grosse manchette qu'il s'était pris après. Ça, c'est le Sachant moment où je me qu'aussi. rappelle cette saison.
Enfin, le Porzingis, tu peux le décaler aussi en 5, hein, ça gênerait pas du tout. Aussi, tu peux le décaler en 5, mais il aurait peut-être pas la même importance. Parce que clairement, pour Oh, moi, lui, c'est mais... Porzingis qui porte l'équipe, comme on l'a dit en début de d'épisode. Porzingis a été blessé, et là, New York, ils ont fait que perdre. Donc tu vois Ouais, que ouais. sans un peu leur franchise player, ils sont très très mal. Donc on peut pas. En fait, New York, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas se passer de Porzingis. Enfin, la saison passée, c'est ce qui s'est passé. Et en pivot, alors Ah, j'ai hâte là. je tente le coup de poker. Enfin, pas le coup de poker, mais je tente en restant dans la jeunesse. Oh Il a non, fait ah oui. une saison en demi-teinte en remplaçant Noah. Je tente le coup avec Hernan Gomez. Je Ah tente le non, mais c'est coup. vrai. Moi je serais pour. Parce que là, l'effectif, là, clairement, c'est la jeunesse à l'état pur. Moins Ah de non, mais 30 t'as ans, tout à tout fait le raison. monde. Ouais. Autant utiliser Hernan Gomez. Noah, s'il reste dans l'effectif et qu'après 20 matchs, il peut être en doublure. Il peut être en doublure. Et Kylo Quinn, hein. Faut pas l'oublier. Aussi, donc ça Enfin, sera un peu certainement starter, je pense, quand le même. choix entre les Mais. deux. Mais moi, je porterai mon choix sur Hernan Gomez. Pourquoi pas tenter la jeunesse, tout simplement. Et Ah voir où ouais. cette équipe peut aller. Et on va finir par notre prévision. Enfin, on va essayer de pronostiquer le nombre de victoires et défaites et le positionnement dans la conférence. Ouais, bah allez, c'est parti. Bon, faut être quand même assez bon. Les fans d'Enix Et l'avantage vont d'être dans la passer. conférence Est. Oui, par contre, oui, En ils ont plus. l'avantage de la conférence Est. Mais bon, bah, ça sent encore une nouvelle fois. Ce sera pas les playoffs, ça c'est sûr et certain. Et ce sera du. Moi, je les ai mis. Dans mon tableau, je les ai mis 13e. Je les ai mis 13e. Donc pire Ils que sont cette saison. 13e, je vois. Oui, pire que cette saison. Ils font du. Je sais pas. J'ai mis une victoire-défaite. J'aurais mis du. Du comment? Du. Ouais, j'ai pratiquement similaire. Hein. Pratiquement similaire, mais j'ai mis aller du 30. Du 30-52. 30 victoires, 52 défaites. Bon, voilà. C'est ce que j'aurais mis. Après, je vois pas. En fait, je vois pas comment ils peuvent faire mieux. Je vois pas. Parce que comment tu peux faire mieux que 31 victoires alors que tu as un effectif largement moins bon que l'année dernière? Je vois pas comment. Après, je sais pas, ça va être quoi ton pronostic, Moi j'étais ultra mais optimiste en fait, je vois, mais je suis putain d'optimiste finalement. allez. Si tu mets les playoffs, si tu les mets en Non, 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 playoffs, il y a pas blasphème. playoff, pas Ah, playoff, faut pas voilà. exagérer non plus, hein. Alors moi je suis parti sur une hypothèse d'avoir donc le fameux 6 et ce 5 majeur que j'utilise. Après Beasley il peut sauter comme quelqu'un d'autre peut prendre sa place. C'est des jeunes joueurs donc ils peuvent faire de la merde comme ils peuvent exploser. Par exemple, le fameux Franck qui peut finir la saison à 25 points, on sait jamais, c'est possible. Ou à 20 passes par match, c'est peut-être un peu trop exagéré, mais il peut exploser niveau potentiel, comme Porzingis qui peut encore plus porter. Après, je ne peux pas prévoir de blessure, tout ça. Mais si on reste dans mon hypothèse de les joueurs vont exploser, alors l'optimiste avant tout, j'ai mis un ratio de 40-42. Franchement, je Le pense que je suis malheureux. ultra optimiste pour New York. Oh bah là, carrément. Et genre, je les ai mis 9e de conférence, Oh, genre proche des playoffs à la alors. porte des playoffs. Mais je reste dans mon optique de, ils ont un potentiel qui peut exploser cette saison. Je sais, je suis optimiste. En Ouais. commentaire, vous Non pouvez mais... dire votre pronostic de votre prévision. Vous pensez qu'ils vont aller où? Enfin, à quelle place ils vont se mettre? En tout cas, ouais, voilà, j'étais l'optimiste. Antoine a été le Ouais. réalisme. Bah, je Voilà. pense en fait. Je suis peut-être pessimiste, mais en fait, le truc pour moi, le principal truc, en fait, tu te dis, ils ont largement un moins bon roster que l'année dernière. Donc c'est chaud pour toi, t'as mis 40 victoires, sachant qu'ils ont fait 31 victoires la saison passée. Je me dis, comment ils peuvent faire 9 victoires quand même? 9 victoires de plus, c'est quand même énorme, sachant qu'ils ont un moins bon roster. Enfin, après, enfin, pour moi, franchement, tu fais une échelle sur 100%, il y a exactement 99, enfin plutôt 0,4%. Qui le fasse, hein, ton 40 pour sait jamais, 40 ça peut victoires. être un pari à prendre. Oui, ça peut être un pari, non, mais tout à fait. De toute façon, on reverra la De toute vidéo à façon, la c'est la fin de la conférence saison. S, tu vois, donc c'est plus, pas dire plus facile, mais t'as beaucoup moins de concurrence qu'en conférence Ouest. Certes, mais bon, de toute façon,
Ouais, non, 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 mais j'ai plus rien à dire parce que. Non, franchement, non, tu m'as dégoûté là. Non, 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 ouais, c'est. Enfin, moi, j'y crois pas. Après, de toute façon, quand on... De toute façon, c'est simple. Avec les blessures, tu peux pas On peut savoir. pas, ouais, on peut pas savoir avec blessure. Donc, il est possible qu'il n'y ait aucune Mais. blessure, que toutes les autres équipes, genre, ils perdent LeBron James 6 mois sur blessure, c'est tout à fait possible. Ou voilà, après, on verra bien. On verra bien, de toute façon. Mais ouais. Donc, on On a verra fini bien. cet épisode, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, juste que bon, bah, c'était un plaisir de faire ce premier épisode en toi et compagnie. J'espère qu'il vous plaira. Ça change un peu de ce qui se passe sur la chaîne. C'est un peu le renouveau qu'il y aura sur la chaîne. On parlera beaucoup de basket, je pense, cette saison, enfin cette année. L'année 2017-2018, on va en parler beaucoup. L'épisode prochain, on fera une équipe de la Conférence Ouest. Donc, je ne sais pas encore quelle équipe. Je pense qu'on fera un peu, peut-être, je ne sais pas quelle équipe. En tout cas, on va réfléchir sur l'équipe qu'on fera la saison prochaine, pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à commenter, à débattre dans les commentaires sur ce que vous pensez de New York, ce qu'ils vont faire la saison prochaine. À vous abonner, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on se dit, tiens, merci Antoine, évidemment, et on se dit à la Y a pas de prochaine. souci. Salut à tous.